communicateur de l'Union sacrée de la nation et de surcroît défenseur de la noble vision du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. En ce jour réuni de toute urgence, dans le seul but de témoigner notre soutien indéfectible au magistrat suprême et à toutes les institutions politiques de notre pays. Faisant suite à la communication du porte-parole du président de la République, confirmant l'existence des indices sérieux de culpabilité sur de faits avérés d'atteinte à la sûreté de l'État, pesant sur certains acteurs clés de notre régime, nous condamnons fermement les recours à des procédés anticonstitutionnels fait dans le seul objectif de prendre le pouvoir par la force. À cet effet, nous mobilisons tous nos compatriotes congolais, au pays et à travers le monde, à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force, comme le dispose l'article 64, alinéa 1er de notre Constitution. Par la même occasion, nous dénonçons le silence coupable et complice d'une certaine classe politique congolaise qui reste indifférente alors que les faits si haut décrits sont graves. Nous exprimons notre indignation à l'endroit de tous les hypocrites et traîtres qui nous ont infiltrés depuis le début de notre triomphe électoral de 2019 jusqu'à l'avènement de l'Union sacrée. Nous rappelons à tous les caciques nostalgiques des régimes rebelles qui se sont succédés au pays et leurs nouveaux alliés que la République démocratique du Congo est un don de Dieu, un pays à histoire propre et donc différente de celle des autres peuples. Nous confirmons que la République démocratique du Congo n'est pas le Mali, pas du tout le Burkina Faso, même pas la Guinée, encore moins le Niger. Nous demandons à la justice et aux services d'intelligence de ne ménager aucun effort pour que les auteurs et complices de ces actes ignobles à tous les niveaux soient sanctionnés de façon exemplaire et sans complaisance, de manière à décourager cette pratique de lâche. Nous encourageons le président de la République à procéder instamment à un toilettage rigoureux dans toutes les institutions du pays pour assainir l'espace politique de tous les germes et vieux démons qui ne cessent d'envoûter la démocratie grandissante et à recruter de nouvelles énergies capables de l'accompagner fidèlement dans la matérialisation de sa vision du peuple d'abord. Nous, communicateurs de l'Union sacrée de la nation, signataires de la présente déclaration, sommes disposés à accompagner le président de la République, à défendre ses réalisations devant le peuple congolais et l'opinion internationale, et sommes également prêts à diriger autrement avec lui. Nous promettons et renouvelons en tant qu'élite notre loyauté, fidélité, engagement, voire notre disponibilité sans relâche à soutenir toutes les actions du Père de la Nation. Nous invitons le peuple congolais à ouvrir l'œil et le bon et mettons en garde tous ceux qui ont choisi la mort des Congolais comme seul moyen d'accession au poste d'État. Nous préservons ensemble les acquis démocratiques de l'alternance politique du 24 janvier 2019. Que vive la République démocratique du Congo et son peuple, que vive le président de la République, que vivent les institutions de la République et leurs animateurs, que vivent les communicateurs de l'Union sacrée. Nous vous remercions. Ceci est fait à Kinshasa, le 10 février 2022. Nous vous remercions.